Chers African Lovers, bonjour. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau format de Peuple Ben où nous abordons les questions géopolitiques et stratégiques en Afrique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de surtout liker les vidéos pour plus de contenu sur cette chaîne. Alors que la situation au Niger semble être dans une phase, je dirais, de stabilisation, elle n'a pas pour autant révélé toutes ses facettes. Au-delà de ce que l'on pourrait déjà s'imaginer du Niger comme un point géostratégique important dans la sous-région, le pays cache des intérêts géopolitiques et géostratégiques plus graves que ce que vous pouvez savoir déjà. Sinon, comment comprendre cet intérêt si soudain, cette agitation inhabituelle de toutes les grandes puissances internationales et même régionales? C'est encore plus avéré quand on entend la ministre des Affaires étrangères sénégalaise, Aissata Tall Sall, dire « c'est le coup d'état de trop ». C'est vrai que le Niger est un pays clé dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Mais ce putsch est aussi révélateur d'une évolution du rapport à la démocratie et à l'Occident dans la région. Pour comprendre ces intérêts géostratégiques, il est important de se plonger un court instant dans la crise en Ukraine. Rappelons que la crise en Ukraine a mis à jour une importante crise alimentaire mondiale. Selon un article de la BBC Afrique, la Russie et l'Ukraine sont deux grands exportateurs de produits alimentaires. Les deux pays connus comme le grenier de l'Europe représentent 29% des exportations mondiales du blé et 19% des exportations du maïs selon les données de la banque JP Morgan. Les prix du blé sur certains marchés à terme ont atteint des sommets inégalés depuis 14 ans. L'Ukraine est le premier producteur mondial d'huile de tournesol et la Russie occupe la deuxième place selon le S&P Global Plates. Ensemble, ils représentent 60%. Vous imaginez, 60% de la production mondiale de blé et de l'huile de tournesol. Le blé et l'huile de tournesol sont des matières premières importantes dans de nombreux produits alimentaires. Si la récolte ou la transformation sont endommagées ou si les exportations sont interrompues, les nations importatrices doivent trouver des moyens de remplacer cet approvisionnement, bien sûr. Les analystes préviennent que l'impact de la guerre sur la production de céréales pourrait doubler les prix internationaux du blé. Cela pourrait affecter gravement plusieurs pays qui dépendent des exportations de céréales en provenance de la région de la mer Noire. La Turquie et l'Égypte, par exemple, figurez-vous, reçoivent près de 70% de leurs importations de blé de la Russie et de l'Ukraine, qui est également le fournisseur principal de maïs de la Chine. Mais il n'y a pas qu'une crise alimentaire que crée la crise en Ukraine, mais il y a aussi une crise énergétique. Cette crise serait tellement grave que l'Agence internationale de l'énergie qualifie la crise d'une période de turbulence extraordinaire dans son dernier rapport annuel. Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le marché mondial de l'énergie seraient désastreuses. Alors que le conflit déclenché par Moscou en février s'enlise, les bouleversements s'enchaînent, essentiellement sur le front du gaz. La guerre a en effet réduit en lambeaux les relations énergétiques entre Moscou et les Européens, ses principaux clients, rappelle l'Agence internationale de l'énergie. Sous le coup de sanctions, la Russie a réduit le débit de ses gazoducs vers l'Union européenne d'environ, figurez-vous, 80% depuis l'invasion de l'Ukraine. La crise a brisé les relations énergétiques avec la Russie, fondées sur l'hypothèse de la confiance et de la sécurité des approvisionnements. Dans ce contexte, donc, la Russie cherche de nouveaux partenaires vers l'Est, c'est-à-dire l'Asie, alors que l'Europe sera à son tour à la recherche de nouveaux partenaires pour réduire sa dépendance en énergie de la Russie. Plusieurs partenaires comme le Qatar et même, figurez-vous, les États-Unis, tous deux producteurs de gaz, se portent comme potentiels candidats pour freiner cette dépendance au gaz russe. Voyez là donc l'intérêt des Américains de déstabiliser la production ou l'acheminement de gaz vers l'Europe. Et c'est justement là que le Niger se trouve à la croisée des chemins stratégiques. Non, le Niger n'a pas de gaz, mais le Niger a l'uranium. Mais ceci n'est même pas l'objet de cette vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il faut voir que les ministres de l'énergie algériens, nigériens et nigériens ont signé le jeudi 28 juillet 2022 un mémorandum d'entente et de concrétisation du projet de gazoduc transsaharien, le TSGP, qui permettra d'acheminer du gaz nigérian
vers l'Europe, en passant, figurez-vous, par qui ? Le Niger. Et cela selon l'agence officielle Algérie Press Service. Le TSGP devrait transporter à terme des milliards, je ne dis pas des millions, des milliards de mètres de gaz nigérian vers l'Algérie, en passant par qui ? Le Niger. La capacité annuelle du gazoduc atteindrait, figurez-vous, 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel. L'Algérie pourra ensuite envoyer vers les pays de l'Union européenne du gaz nigérian. Lors de son lancement en 2009, le coût d'investissement de ce projet était estimé à 10 milliards de dollars. D'une longueur de 4128 km, dont 1037 en territoire nigérian, 841 km au Niger et 2310 km en Algérie. Ce gazoduc permettra également l'alimentation des pays du Sahel. Chevron et même Total, des entreprises américaines et françaises, avaient décidé d'accélérer la construction de ce pipeline pour rapidement approvisionner le marché européen. Vous voyez, les Européens et les Américains, toujours de connivence. Le Niger se pose donc ici, dans ce projet colossal, comme un acteur majeur de l'acheminement de ce gaz essentiel pour l'Europe, dans sa quête de diminuer, bien sûr, sa dépendance en gaz envers la Russie. Alors que le coup d'État au Niger intervient en juillet 2023 pour renverser le président au pouvoir Mohamed Bazoum, c'est une vraie menace pour ce projet colossal. Il est vrai que le Sahel à travers le Niger est une zone sécuritaire très sensible à cause de la menace terroriste et que les velléités de coup d'État s'analysent d'un point de vue comme la déstabilisation d'une situation sécuritaire déjà très très fragile dans la région. Mais les enjeux de cette région vont au-delà de l'aspect sécuritaire pour se révéler d'autres économiques et bien sûr géostratégiques. Il suffit de regarder un peu la force avec laquelle la CEDEAO, les pays de la sous-région, mais aussi la France ont géré le dossier nigérien. Ultimatum, intimidation, menace d'intervention. Il est donc clair que ce coup d'État est une menace pour les intérêts du Nigeria, mais aussi et surtout les intérêts européens à travers la France. Les Américains se sont également fortement impliqués dans la résolution de ce conflit en dépêchant, vous vous souvenez, en août 2023, quelques semaines après le coup d'État, son nouvel ambassadeur, Caitlin Fitzgibbon, à Niamey pour soi-disant discuter les conditions d'une dissipation de la crise. Dans ce contexte, on comprend alors mieux les transactions qui se jouent autour du Niger. L'Europe y joue pour sa part, son indépendance énergétique. Les États-Unis, une influence stratégique et économique majeure dans la région. Et le Nigeria, bien sûr, des intérêts financiers gigantesques. Mais le TSGP, reliant le Nigeria à l'Algérie, ne constitue pas le seul enjeu géostratégique de la région, car le Maroc est concurrent à l'Algérie sur le même projet de faire acheminer du gaz vers l'Europe. Mais cette fois, figurez-vous où ? À travers la mer. Ce projet est dénommé le Nigeria-Morocco Gasoduc Pipeline. Il devrait relier le Nigeria au Maroc par la mer cette fois en traversant les pays du Golfe de Guinée. C'est un projet pharaonique qui devrait coûter deux fois plus cher que celui de l'Algérie avec un financement de 25 milliards de dollars, mais qui serait, selon les concepteurs, plus sécurisé et plus inclusif économiquement que celui de son concurrent, dans le sens où il constituerait une manne financière pour tous les pays qu'il traversera. De son côté, son concurrent joue sur le coût-risque de son projet, qui coûterait seulement 10 milliards de dollars. Les deux pays se feront en ce moment même la guerre pour remporter le projet. Le projet est tout aussi important que le roi du Maroc, Mohamed VI, se serait déplacé personnellement au Nigeria en 2016 pour rencontrer le président d'alors, Mohamed Buhari, le président du Nigeria, dans le but de convaincre celui-ci en vue d'accélérer le projet. Dans son discours à la Nation le 6 novembre, Mohamed VI a assuré vouloir voir se concrétiser le projet du gazoduc Nigeria-Morocco, qui doit notamment permettre d'alimenter en hydrocarbures une Europe désormais privée du gaz russe
et qui cherchent de nouvelles sources d'approvisionnement. Une chose est sûre, le TSGP de l'Algérie reste encore sur la table à cause de sa facilité à être mis en place et son coût moins élevé comparé à celui du Maroc. Et comme le dit le Monde diplomatique du 23 septembre 2023, la construction de ce gazoduc a des perspectives financières qui aiguisent les appétits, y compris des militaires au pouvoir au Nigeria. Je vous attends donc en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette situation au Niger et des enjeux géostratégiques qui s'y jouent. N'oubliez surtout pas de commenter, de partager et de liker. Merci de nous avoir suivis. C'était Peuple Ben. À la semaine prochaine.